Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais débuter ma toile que j'ai eue avec le partenariat One Day Saving. Voilà, donc je vais la commencer aujourd'hui. Je vous montre comment je me suis organisée au niveau des demi-perles, les petits diamants. Donc dans une petite barquette, j'ai mis donc mes petits sachets. Voilà, comme ceci par chiffre, parce que sur le la pratique il est grand. Donc là, donc moi j'ai des chiffres. Donc dans la première, je sais pas si vous allez voir, dans la première colonne, donc on a les chiffres. Sur la toile, ce sont des lettres. Donc les lettres sont dans la deuxième colonne. Donc il va falloir que je regarde les lettres, à quoi ça correspond au niveau du chiffre, et aller chercher dans mes petits sachets. Donc j'ai rangé par ordre. Voilà. J'ai mis mon petit stylo que j'avais eu aussi en partenariat. Mon petit stylet, ma petite barquette, ma petite cire. Voilà, j'ai tout mis au même endroit, comme ça je n'ai pas à chercher. Et voilà, je voulais vous montrer. Alors j'ai fait ceci. Normalement, je mets dans des boîtes comme ceci, mais j'en avais plus de dispo. Vous voyez, je mets mes chiffres ou mes numéros ou mes lettres, voilà, par rapport au diamond painting que je suis en train de faire. Mais là, je n'en avais pas de dispo, donc j'ai fait comme ceci. En attendant de faire mieux. Voilà, comme ça j'ai tout à disposition. Je ne vais sûrement pas vous montrer pendant que je le fais. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais mettre des petits bouts de vidéo pour voir mon avancée. Et voilà, et combien de temps je vais mettre pour faire cette grande toile de 50 sur 60. Alors comme je vous disais, ce n'est pas la dimension du dessin, mais de la toile complète. Voilà. Bah, c'est parti. Donc là, bah, c'est une petite intro. Et puis bah, je mettrai petit à petit des petites vidéos pour vous montrer l'avancée de mon travail. Voilà. Me revoilà après 2 heures. Voilà, j'ai fait un carré de 10 cm sur 10 cm. Voilà, je crois que je vais faire comme ça. Et puis comme ça, je vais oups, aller jusqu'au bout. Là, 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 là. Voilà, pour moi, je pense que ça va être plus simple de faire des petits carrés comme ça. Donc voilà. On se dit à la prochaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre l'avancée de mon diamond painting que j'avais eu sur le site en One Day Saving en partenariat. Voilà, donc je croyais avoir déjà commencé une vidéo et en fait, j'ai pas retrouvé. C'est pas grave. Donc, moi, ce que je fais, j'essaye de faire des carrés de 10 cm sur 10. Donc j'ai compté, je mettais 2 heures pour faire ce genre de petits carrés de 10 cm, pardon. Donc là, ça fait 2 jours que je suis dessus et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis sur mon lit, hein, parce que sinon c'est pas possible de tout voir. J'en suis un peu plus de la moitié. Voilà, donc il me reste juste le bas à faire. Voilà, vous voyez bien. Donc ça se fait super bien, les couleurs super agréables, j'adore. Voilà, j'ai presque bah, le même temps, je sais pas, peut-être une journée ou deux. C'est vrai qu'une fois que j'y suis, on a du mal à en partir. Je fais que ça, mais j'adore. Donc voilà, je vous mettrai la photo terminée dans le petit là. Non, là.
Bref, je vous mettrai la photo. Donc voilà mon avancée de ce diamond painting. C'est cool. Trop chouette. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer. Prenez soin de vous. Bonne journée. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.